Bonjour YouTube, on est en live Twitch et on teste le TGV PSE sorti par un moment. Alors je vais dire tous les auteurs parce que comme ça je n'oublie pas. Je vais lire le manuel de qu'Armand a fait, donc voilà. Alors, merci à Armand qui a fait la conversion 3D d'OpenRail à Rework et modification un peu de la 3D, parce que là-bas c'est un TGV réseau, pour le passer en TGV PSE. Il a fait les modifs de son, l'animation 3D, modification texture. Également merci à TVM pour les modifs de script traction, trap, de ton, son du sifflet. Merci également à Wenel, qui a repris la base de la 3D pour refaire la casquette en fait où il y a le troisième phare et la 3D du pantographe qu'on peut voir ici. Voilà. Merci à Makem et à Lusorius pour le bêta test. Voilà. Et ensuite, il a marqué remerciement particulier à Jean Prisca pour le TGV réseau qui est disponible sur OpenRail, qui est donc la base de la conversion. À PML3 qui lui a fait le PSE pour TS il y a ça un petit moment déjà et du coup dont la cabine est reprise et les scripts aussi d'ailleurs je crois si je dis pas de bêtises et à train de noter pour l'utilisation de textures et de son. Voilà. Et logiquement j'ai oublié personne. Et donc le TGV est disponible sur RW Central depuis ça quelques jours je crois. Avant-hier il est sorti, je sais plus quand il est sorti exactement. Donc YouTube, quand tu verras la VOD, il est déjà sorti. Voilà, c'est bon. Et donc voilà. Beaucoup de monde qui a contribué à ce TGV, c'est pour ça que je voulais tous les citer. Je pense que c'est la moindre des choses. Et donc, vu qu'Armand a fait un petit PDF qui reprend tous les remerciements, autant l'utiliser. Donc, alors, on va démarrer le TGV. On va prendre des passagers pendant ce temps-ci, le temps qu'on le démarre. Voilà, les portes s'ouvrent, parfait. Et donc on est aussi sur Dolvalorb, la V2, qui est elle aussi disponible depuis quelques temps sur RW Central. Alors, on va mettre... Oula. D'abord, la boîte à levier, ça peut être pratique. Le commencement. Le commencement, la boîte à levier, et après le pantographe. Hop, alors non, je vais trop loin. Voilà. Est-ce que ça le lève? Non, je suis sur zéro. Voilà. Donc là, on lève... magnifique AMDE, donc pantographe typique des TGV PSE. Le pantographe à double étage, on peut voir qu'il y a un grand bras, puis après un autre petit bras, là ici, qui vient ensuite soutenir l'archet. Donc l'AMDE pour double étage. Voilà, qui est quand même vraiment beau ce pantographe. Alors vous me direz par contre pour le son de jeu s'il est trop fort ou trop faible. Donc voilà. Alors oui, pour ceux qui se demandent pourquoi il y a CFF sur la RAM, parce qu'en fait on est sur une version du PSE, un reskin du PSE qui est tri-courant, qui pouvait aller, enfin tri-tension, excusez-moi, qui pouvait aller du coup en Suisse et qui faisait des Paris-Lausanne par exemple, et qui passait sur Dolvalorb. C'est quand même pratique d'avoir la ligne et le train en même temps. Donc voilà, donc le pantographe c'est fait. Je vais juste enlever la VACMA. Je crois que le KVB est activé, mais ça n'a pas posé de soucis, je pense. Bah après, on va attendre que les passagers montent. Hein. Ah, les blancs, peut-être. Les blancs. Voilà. On a bien les blancs devant. Et est-ce qu'on a les rouges derrière? On a bien les rouges derrière, donc c'est tout bon. C'est tout bon, c'est tout bon. Bah, les passagers sont montés, les portes sont fermées, donc on peut y aller. Marche avant. Hop. Là, qu'est-ce qui va pas? Attendez. J'ai fait un truc qui va pas? C'est bon là. Ah, le... Puis non. Peut-être que je mette l'arme en service avant. Le DJ. Voilà. C'est pas un Lyria ça. Si, c'est un Lyria. Enfin, ça l'était avant qu'il y ait les postes et avant qu'il y ait... Enfin... Comment dire? Il y a eu d'abord ça, les PSE. Rétention. Ensuite, il y a eu les postes. Et ensuite, il y a eu les duplex, comme il y a actuellement. Voilà. Et là, maintenant que le DJ est fermé... Ça va aller mieux. Voilà, mieux. Hop, on desserre les freins. Hop, et on y va. Elle a marché avant peut-être aussi du coup. Vu qu'il l'avait enlevé. Voilà. Et donc on quitte la gare de Dol. Et on va aller jusqu'à Valorbe. Donc qui est 100 km plus loin. Ils avaient bien ton KVB. Je sais plus quelle touche c'est, si tu l'as Armand, s'il te plaît, pour résoudre le KVB. Et merci Colfa. Qui fait son 13e mois de sub, merci beaucoup. Pour le resub. Contrôle F12, merci. Contrôle F12. Voilà. Merci Armand. Allez, let's go.
Il a quand même de la gueule ce TGV. Hein. Hop, on va mettre plus de traction quand même. Et bonsoir Zema. Donc là on a le voie libre, deux idées, donc un indicateur de direction, donc deux feux blancs allumés, et le 60Z tout en bas. Donc on va pas dépasser 60. Je vais juste profiter un peu des sons et après je baisserai le son de jeu parce qu'il est un peu fort quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la VI. Hop. Donc pour l'instant, 60. Voilà, un peu moins. Hop, la reprise, donc on peut prendre à 90. Même à 160 après. Donc on va mettre la VI à 160. Voilà. Je sais pas si j'ai passé le cran VI là. Non, je l'ai pas passé, attendez. Voilà, là je l'ai passé. Et là, profitez un peu du son là. Les sons sont quand même ultra cool, hein, on est d'accord. Hein. Voilà, je vous rebaisse un peu, pas trop peut-être quand même. Voilà, je pense que là le mixage est bon, vous me direz en commentaire, dans le chat. Mais les sons sont quand même ultra cool. Pourquoi ils font pas ça des TG sérieux? Bah ils ont d'autres priorités on va dire. Donc là on est parti direction Valorbe. Donc une centaine de kilomètres principalement en voie unique. Avec un TGV Lyria. Là pour l'instant on peut se lancer à 160, hein, y a pas de souci. C'est quand même vraiment particulier de rouler à 160 sur une voie unique je trouve. La végétation est ultra cool en plus sur la map, vraiment la map est sublime en plus. Armand elle est vraiment bien gérée hein, parce que la végétation est super belle, super bien placée. Alors l'Eurostar non, la classe 373 je l'ai pas fait en live on va dire. J'ai testé dans mon coin et je pense pas la faire en live en vrai. C'est pour moi, c'est trop cher pour ce que c'est et c'est pas un add-on de qualité pour attendre aujourd'hui. Et donc j'ai pas envie de présenter un truc que je trouve pas ouf quoi. Donc voilà, un petit voie libre.
Donc là, on est encore tôt le matin. Je sais pas à quelle heure on arrivera, c'est un quick drive, hein, donc c'est prévu d'arriver à 7h42, on verra si ça, si ça se tient ou pas. Pourtant, souvent, il y en a là-bas. Oui, il y a pas de neige parce que là, on est en plein été, mais oui, c'est une map à mettre la neige, oui, ça c'est sûr. C'est une map à faire rouler en hiver aussi. Alors je sais plus où s'arrêtait le TGV Lyria justement. Je vois qu'on me pose la question si je m'arrête à Fran. Je sais pas si il s'est arrêté ou pas. Je crois qu'il s'arrêtait à Fran. Où c'est qu'il s'arrêtait d'autre? Mouchard, Fran, Valorbe. Ok, merci Zema. Donc faudra s'arrêter à Mouchard, Fran et Valorbe. Bon, Valorbe, heureusement qu'il faut s'y arrêter vu que c'est la fin de la map. Du extérieur peut-être. Il sait que c'est un peu dégagé par là, c'est un peu dégagé là. Il y a un peu des buissons quand même. Là, par là. Ouais, c'est pas tout à fait dégagé. On fera plus loin la vue extérieure. On fera plus loin. Le soleil est vraiment très haut pour 7h du matin. Ouais, c'est un peu un problème. Alors, je pense que Armand a dû utiliser le time of day. Donc, c'est une sorte de fichier dans TS qui gère l'apparition du soleil, le coucher, la position du ciel. Donc, il a dû utiliser ceux d'AP. Et moi, c'est pareil, je pense aux AP parce qu'ils sont quand même vachement jolis. Mais du coup, c'est un inconvénient, c'est que c'est réglé par rapport à l'heure anglaise, vu qu'AP c'est anglais. Et du coup. Bah l'heure est pas bonne. Et j'essaie de régler ça mais j'y suis pas arrivé encore. Et c'est un peu le problème. Mais les time of day en fait ça gère ce fichier là il gère le soleil, la position du soleil, enfin, le lever, le coucher, le zénith, tout ça. Et ça gère aussi un peu la couleur du ciel, la couleur de la lumière. Et ceux d'AP ils sont vraiment superbes. Mais du coup, on a une heure de décalage. Et merci à tous pour vos follow. En tout cas, merci à tous. Bienvenue sur le live à ceux qui rejoignent la chaîne. Voilà, ce serait plus du 8h. Hein, ouais, on est d'accord. Hein. Ça dépend aussi de la date ou juste de la saison. Je crois que ça dépend que de la saison. Parce que les time of day, ils se séparent en saison. Et je crois pas que la date est prise en compte. Là c'est un peu dégagé là. J'aurais pu rien de vue extérieur là, mince. Mince, c'était dégagé. On va se mettre par là. On va se mettre au PL là. Ah j'ai vu ton message chez Nermont. Tu as quoi c'est le son 3D? Bah c'est très propre hein, pour un... Franchement y a pas à dire hein, il est très très propre ce TGV. Franchement, si tous les trucs gratuits pouvaient être pareils, je dirais pas non. Hein. Je dirais pas non. Genre, t'as d'évitement en plein PN. Ouais, ça arrive beaucoup, j'offre plus que ce que tu penses, ouais. Les voies d'évitement, le principal endroit où tu mets les voies d'évitement, c'est sur les PN. Alors pourquoi? Non, non, mais en vrai, ouais, ça arrive fréquemment hein, que ce soit sur les PN, les voies d'évitement. Les sens, c'est pas les bons, c'est pas censé être ceux de la GC, il y a eu confusion. Ah! Bah écoute Armand, peut-être quand j'ai installé du coup. Et merci Joff qui offre un sub à Ténermont, merci beaucoup. Joff qui régale hein, ce soir. Hein. Du coup j'ai pas les bons sons de sifflet apparemment. Bah faudrait que je corrige ça du coup.
Je pense vraiment c'est parce que j'ai réinstallé par-dessus la version que tu m'avais envoyé avant. Où tu avais mis les sons de la GC notamment. Peut-être, je suppose. Hein. À moins que tout le monde ait ce cas-là aussi. Alors, on va devoir passer à 130. Hop. Alors, dans les scripts, il n'y a pas de frein de rhéostatique, malheureusement. Du coup, je fais la AVI. Ça met le rhéostatique quand même. Ça marche. C'est pas réglementaire, mais ça marche. En cabine, non, j'ai ajusté aussi. J'ai fait tout à l'heure, rarement. J'ai essayé aussi. J'ai ajusté aussi. Ah oui, il y a un sectionnement là d'ailleurs là. Ouais, marche arrière ça fonctionne aussi, mais autant faire la VI du coup, vu que j'ai la VI d'activer. Excès de vitesse, mince. Ouais, du coup, ça a coupé le freinage effectivement, vu que j'ai ouvert le DJ. Voilà. Et merci beaucoup à Joff qui offre un sub à Armand. Merci beaucoup, Joff, pour le sub gift. Joff qui régale ce soir. La pancarte rêve, on remet le DJ. Ah, on est à Arkesona là. Arkesona, pardon. Une très belle gare avec une très belle personne. Ah mince, j'ai encore cassé ma touche push down en sifflant. Encore. Voilà, je l'ai remis sur le clavier. Chacal va. J'ai la ref. J'ai la ref. Allez, on repasse à 150. CF. Voilà. Et là, on a un petit bout de double voix ici. Ouais. Allez, let's go. Faut que je pense à la miniature YouTube quand même, hein. Parce que j'espère que cette VOD va sortir. Ce serait bien après 50 ans que je sorte enfin une VOD YouTube, hein, sur TS, hein. Ah, ça y est, pas du bon côté par contre, ça va pas. Bon, c'est pas grave. On va déjà faire ça, on verra plus tard s'il y a mieux. Avec quoi, avec cette vitesse speeding? Mais la... C'est pas la vie que j'ai? Si, j'ai la vie. Quel enfer. Ah mais j'étais à 160. My bad. C'est bon. Donc le site et le site le TGV est dispo sur RW Central. S'il y a des modérateurs qui sont dans le chat et qui peuvent mettre le lien de RW Central, je vous en remercie. Tu as dit que tu as arrêté YouTube. Alors non, j'arrête YouTube. En 2025, le 1er avril 2025. C'est l'événement qu'il y a sur Discord. Mouchard, ah, faut s'arrêter à Mouchard. Faut qu'on s'arrête à Mouchard. Hop, on a un petit sang là. Ah, par contre, oula, comment on a la VI par contre? On va être à 0. Hop là, comme ça, c'est bon. Ça se pouvait un peu. Je crois que j'ai trop enlevé par contre. Je sais pas si c'est possible d'enlever la VI sans remettre le compteur à zéro. Il est passé derrière les pauvres. Ouais, j'avoue que là ça brusquait un peu. Oui, c'est possible. Ah, ok, my bad alors. Ok, my bad. J'avais encore jamais essayé cette possibilité là. Laisse freiner par contre, hein. Les freins se déclenchent vite par contre, je trouve. Puis la rame freine bien. Oh, ça va. On devrait pouvoir s'arrêter à temps. On devrait pouvoir s'arrêter à temps. Hop, la magnifique gare de Mouchard. Alors la pancarte TGV 1 elle est où? Parce que je connais pas la ligne moi. Enfin, je connais pas la ligne.
Les repères derrière, je les connais pas, du moins, on va dire. Là, il y a les 4 voitures, donc ce sera plus loin, je suppose. Ah, du coup, je l'arrête grand-mère, là. Hein. J'ai mis la marche arrière, c'est pas exprès. C'est bon. Ah, mais j'ai pas de traction, hein. Ah, je suis en VI, là. Ah, mais je suis en VI, c'est pour ça que ça freine tout seul, je pense. Ah, je suis en VI. Bon, ok. On arrête. C'est pas grave. On est un peu loin de la pancarte. Mais on va dire que c'est bon. Pourquoi je suis en VI encore, là? Là, je suis plus en VI, là, je suis en VI. Ok, je sais pas, c'est bizarre. L'air un peu forêt. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est bon, ça passe. On est à quai ou pas? Oui, on est à quai, c'est bon, on est à quai. C'est bon, ça fait, ça fait, ça fait. les passagers sont déjà montés ou pas? Ouais, les portes sont fermées, ok. Allez, bah, let's go. L'arrêt express, hein. Et là, je peux plus mettre de traction, là. C'est bizarre. Qu'est-ce qui va pas? Attendez, j'ai un souci là. J'ai plus de traction. C'est comme si j'avais un truc qui me bloquait. Et si je remets en VI? World Premiere. Merci beaucoup pour le sub. J'arrive, je. C'est juste de partir. Merci beaucoup Ferromat pour tes 5 mois de sub, merci beaucoup. Pourquoi j'ai plus de traction là? Il se passe quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Le pantographe est levé. Le disjoncteur est bon. Allez, dans le doute. Ouais, c'est bon. World Premiere. J'ai une marche avant. Ah, ça repartait, mince. Attendez, ah, ça repart, c'est bon. Ça repart. Ça repart, ça repart. Et merci du coup à Umino. Merci beaucoup pour le Prime. Merci beaucoup, bienvenue sur la chaîne. Ok, c'est bon, on est reparti. Alors du coup, vu que je suis en VI, ça accélère un peu fort. Donc je peux enlever la VI. Ok, c'est bon, nickel. Je vais m'en sortir. C'est bon. Voilà, mieux. Merci du coup pour les liens. Merci beaucoup. Donc là, on va reprendre à 110, même pas à, 100, à 150, à 110. Hop, on a déjà réglé la VI. Et 100 ou 110 du coup? Parce que là, il y a un TIV 100Z. 100. Ah bah, la 110 c'est là, d'accord, ok. La courbe est assez serrée ici. Allez, let's go. Sympa avec la petite voie là à droite, enfuie sous les herbes. Chose la plus goûtue que vous ayez jamais eu en bouche. Faut que je donne des noms, peut-être. J'ai bien lu. J'ai bien lu. Merci beaucoup, Bondour, pour les 50. Ça vaut faire. C'est quoi? Mais quoi, mais... C'est-à-dire que là, il y a 100 viewers. Paf, la 50, vous êtes sub. La moitié, c'est sub. Non, mais... Merci. Mais merci infiniment. Oui, on s'est pris un arbre, mais c'est pas grave. Y a plus important. Mais bon tour, mais t'es malade. Mais t'es pas net, non? Je dois l'avoir encore ce soir en plus.
Attendez, 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 son. Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis très net. Mais merci, mais 50 fois merci, mais 1 milliard de fois merci. Mais j'ai pas les mots, je suis désolé, j'ai pas les mots, mais là c'est 50, le gars il vient, il lâche 50 subs. Attends, y a un spotter. Merci. Mais bon tour, bah écoute, bah bravo. Bravo pour tout. Je crois que là, je vais boire un coup déjà. Déjà, parce que là, je suis pas bien. Je sais pas quoi dire. Mais... Mon tour qui répond. Et le plus drôle, c'est que je m'appelle Baptiste, du coup, c'est pas, ça passe encore mieux. En plus. Attendez, je suis pas bien là. Mais bon tour, bah merci. Juste merci. Je peux pas. Je peux quoi dire d'autre. C'est fou. Bon. Revenons. Il est beau le TGV hein. Ouais, il est beau le TGV en vrai. On passe un bon moment ici. Mais je... Ouais. Ouais. Juste ouais. Oui. Comme la nouvelle vie d'un TPF. Oui. Ah mais vivant. Bah merci mon tour. Merci. Ah non, pas ça que je voulais faire. Ouais. C'est une vue extérieure que je voulais faire. Parce que là on arrive sur des passages quand même magnifiques de la ligne. Même si c'est vrai que j'ai pris 7h12 et du coup le soleil est pas très levé, c'est un peu tout à l'ombre. Fait plaisir et puis je t'avais prévenu en début de live. Ouais mais surprise, je m'attendais pas à ça. Moi tu me dis une surprise. J'attendais pas. Ah merde, il y a un 90. Oui bah je suis pas concentré, excusez-moi, mais il y a quand même quelqu'un qui a mis la moitié du chat en sub quoi. C'est-à-dire que là maintenant je vais faire un chat sub only, bah ça changera rien en fait finalement. Ah regarde, c'est beau aussi, attendez. Petite vue extérieure là. Bon non, speeding hein, mais c'est pas grave. Mais là ça se pose là, ça là. Là ça se pose là. Pourquoi t'es mis Jimmy qui fait des speeding? C'est bon, on est plus en speeding. On est plus en speeding. Bon allez, on va essayer de se focus sur la conduite. Je vous avoue que c'est pas simple, mais on va essayer, on va essayer. En plus là, il y aura beaucoup de changements de vitesse. Hein. On s'est fait déjà avoir... J'arrive même plus à parler. On s'est fait déjà avoir avec le 90. Focus comme la Ford, exactement. Exactement. Un petit voie libre. Oh, ce magnifique dévers par contre là hein, c'est beau hein. Ah ça penche bien là hein. Ça manque d'un PSE pendulaire. Ah, c'est vrai que le prototype pendulaire du PSE, il avait de la gueule quand même. Hein. Il y avait de la gueule. Ouais, il y a le pantalon qui arc, quoi, qui fait des étincelles. C'est déjà de base dans le premier PSE qui était sorti sur TS, ça. Mais les sons en cabine sont vachement cool, hein, en vrai. Hein. Les sons en cabine, c'est vachement cool.
Et encore, t'es pas sur LGV. Ouais, je suis pas sur LGV, ouais. Et bienvenue à cette fantôme qui a foulé la chaîne. Le TGV PSE prend du l'air sous tension. Si seulement ça avait existé, hein. Dans la cabine de queue, il y a le gars qui ne saute pas ouvrir la porte. Le transformateur. J'ai la ref. J'ai la ref. Oh, les vidéos, elles ont pas duré longtemps sur YouTube, hein, ces vidéos-là, mais ça, quel plaisir, hein. Encore une fois, cette ligne STGV, ça prouve que la commu FR, elle est géniale. Elle est géniale, mais regardez, il n'y a pas de beaucoup. Quand vous prenez les autres communautés sur TS, étrangères du coup, étrangères, autres que la France, si vous êtes belge, bah, du coup, c'est la France étrangère pour vous aussi. Mais voilà, les autres communes autres que françaises, elles n'ont pas tout ce qu'on a, nous, enfin toute la chance qu'on a nous d'avoir des créateurs qui font des modèles, qui les révisent, qui les convertissent de d'autres simulateurs avec autorisation bien sûr. Et des lignes, vraiment là on a quoi, on a 100 bornes de lignes quoi, c'est incroyable. Et il y a très peu de communautés qui ont ça en fait, en gratuit. C'est incroyable ce qu'on a, vous imaginez pas à quel point on a de la chance d'avoir ça. Et c'est un régal. Donc bon, merci à tous les créateurs d'ailleurs. Merci à tous ceux qui contribuent à faire ce que TS, le TS français qu'on a. Et aujourd'hui, merci à vous tous en fait, tout simplement. C'est incroyable. C'est incroyable. Du coup, ça en va, on a dit, hein, ça va. Qui s'en va là, faut accélérer un petit peu. Là non. Je regardais pas le bon compteur. Voilà, mieux. Ouais, Traîneau au départ voulait faire des RTG, alors je sais pas s'il a juste annulé le projet ou si il le reporte à plus tard. Dire que j'avais commencé une ligne pour les faire rouler ces RTG. J'avais commencé, enfin j'avais même fini la pause devant entre Rouen et Saint-Germain des Fossés. Mais du coup encore un projet qui ne verra pas le jour. Que je laisse dans mon TS à l'abandon. Et peut-être qu'un jour je le reprendrai, mais ça m'étonnerait. Ah moi, le gros projet là, c'est Dijon Modane. Hein. Ma vie pour Dijon Modane. Les vannes sont de la Bresse. Alors oui, actuellement sur la Bresse, je m'occupe de, des 5 scénarios de base que vous aviez avec la V1 de la Bresse. J'en modifie quelques-uns pour que, bah, qu'ils aillent jusqu'à Louan. Typiquement, là j'ai fait deux scénarios pour l'instant. J'ai fait le 1 et le 3, donc l'infra en 22200 et le seigneur de la GC. Et ils iront ou viendront de Louan ou jusqu'à Louan. Et pour la GC, du coup, il fonctionnait plus parce que la GC était sur la version 3, 4. Attends, c'est laquelle version de la GC là? Bref, le nouvel AGC était plus compatible. Du coup, j'ai refait le scénario avec le nouvel AGC. Donc, il y aura le retour de ce scénario là. Et donc, mon but c'est de convertir tous les scénarios. Et après, il me reste toujours Louan à finir en fait. En termes de signa, c'est tout posé. Et on peut pas tester Louan pour l'instant. Enfin, vous pouvez pas tester Louan. Et après, vous pourrez tester Louan. Et pour l'instant, on peut pas tester Louan. Ouais. Bon, on a déjà fait la moitié du parcours en une demi-heure. Ça va. Elle est quand même belle cette ligne, hein, je me répète, mais elle est très agréable à conduire.
pense que ça sortira quand en ligne. La Brest, je sais pas quand elle sera disponible. Elle sera prête quand elle sera prête. Elle sortira hier. Je m'y engage, elle sortira hier. Je vous en dis pas plus. Mais il y aura un trailer avant. À quand retour des best of Twitch? Quand j'aurai pas la flemme. Quand j'aurai pas la flemme. Donc jamais, j'ai toujours la flemme en fait. C'est bien connu. Le dévers, hein. J'ai déjà fait un live à 25500 RR. Oui, je crois que la V2 est disponible sur YouTube d'ailleurs. Allez, on reprend de la vitesse, on peut se remettre à 120. Et on va passer à la gare d'Andolo sans s'arrêter du coup. Oh, le dévers, hein. Fait peur l'autre derrière. Oui, écoutez le transformateur, hein. Et ici, c'est la porte vers les passagers, faut pas y aller, hein. Faut pas l'ouvrir, hein. Très belle gare d'Andolo. Oh, le rond-point. Et on repasse en voie unique avec à la clé une belle rampe. D'ailleurs, là ça va attaquer les fortes rampes, hein, d'ailleurs. Hein, forte rampe. Ça, c'est vraiment de la forte rampe. On a combien? On a 20 pour 1000. 16 pour l'instant. Mais ça monte encore plus derrière. Vous savez, les voitures, elles sont piégées. Ah, TS gère pas les ronds-points, c'est dommage, hein, parce que on aurait bien besoin que ça gère les ronds-points, TS, hein. Mais bon, malheureusement. Là, on entend bien les moteurs qui travaillent bien pour cette rampe. 21 pour 1000. Là, oui, ça commence à monter, hein. Le petit 100. Ah, il y avait 90 et 100 sur le panneau. Mais nous, on est en TGV, donc on prend le 100 qui est au-dessus. Dans les arbres. Il n'y a pas tant de tunnels, hein, pour une ligne de montagne. Finalement, je me percutais là. Il y en a quelques-uns, on va en tomber sur un, mais justement, je trouve que ça va niveau tunnel. Ils ont été raisonnables, ils ont bien su.
Bien sûr, rester dans la vallée en fait, on va dire. Le direct live. Hein. Oui, c'est il y a des tunnels, mais c'est raisonnable, je trouve, par rapport aux lignes de montagne. Mais voilà, par rapport aux hirondelles, oui. Oui. Pas les Alpes non plus, mais c'est le Jura, hein. On est dans le Jura ici. Pas les Alpes, certes, mais ça reste le Jura. Ça reste le Jura. Et donc on passe au niveau de la joue. Il est de siffler à l'entrée de tunnel quand on est en VU. Ouais, c'est pas une question de VU ou double voix ou de 50 voix, c'est une question en fait de c'est du personnel qui travaille dedans. Bah en même temps un coup de sifflet, ils peuvent se mettre dans les refuges. C'est pas pour les autres trains qu'on siffle, c'est pour le personnel dans le tunnel en fait. Ou après le tunnel quand t'es en sortie du tunnel. Après on partira sur autre chose après ce scénario là. Je sais pas encore quoi, on verra, on en discutera, je pense. Le petit 120. Hop, petite vue extérieure, c'est demandé, je vois. Du coup, on devait s'arrêter où aussi? On a fait quoi? On a fait Mouchard là déjà? Après, c'est où? J'ai oublié. Fran. Voilà, Fran. J'avais le nom sur le bout de la langue et je m'en souviens plus. Merci, Fran, oui, effectivement. Il n'y a pas d'UM sur cette ligne. Des UM de. Je sais pas si ça s'est fait des UM de PSE sur cette ligne là. C'est le panto qui flash, oui. C'est le panto qui peut faire des arcs électriques. Alors il le fait pas tout le temps. Mais des fois quand on tire bien sur la rame, il fait des... Voilà, on voit, voilà. Ça fait un peu long pour les quais, ouais. Je suis d'accord. Peut-être qu'Avalorbe ça passe. Dole aussi, je pense, ça passe. Mais entre, ouais, j'ai un doute. Si, il y avait de l'UM. Ah ok, ok. Après, si tu t'arrêtes pas comme une patate comme moi, bah, tu tiens un quai. Sectionnement à 50 mètres. Ah, 500 mètres, pardon, c'est pas 50 mètres, 500 mètres, c'est mieux. Hop. Oui, 500 mètres, oui, 50 mètres, mais non, 500 mètres, oui. Exécution de sectionnement. Et nous, il faut attendre la pancarte rêve.
Dessert TGV. On va s'arrêter à toutes les gares non plus, hein. Même si ce serait le rêve de certains élus d'avoir de TGV dans des petits villages comme ça. Hop, allez, let's go. Je remets la VI. Sectionnement à 5 mètres des transformateurs. Ah, faut penser à bien sectionner, hein, pour préserver le transformateur. Le fameux transformateur. Non mais je parle de l'arrêt du TGV, parce que tu sais bien comment ça marche, les élus, ils veulent que le TGV s'arrête dans leur commune, mais ils ne veulent pas qu'il y passe, parce que quand il y passe, il fait du bruit. Donc c'est un peu compliqué de s'y arrêter sans y passer. Mais voilà, les élus, ils veulent que le TGV s'arrête, mais faut pas que ça passe, hein, non, faut plein de solutions. Alors sectionnement, en fait, c'est quand, en 25 000 volts, vu que c'est une tension alternative, et que les voies ferrées, c'est sur des centaines de kilomètres, il faut alimenter la caténaire, donc le fil qui a au-dessus de nous. Donc pour l'alimenter, on met des sous-stations, donc des endroits où on envoie du courant dans la caténaire. Et sauf que quand on en met deux côte à côte, si elles sont reliées directement, et ben ça va pas, ça casse tout. Du coup, alors en tension continue, il n'y a pas de sectionnement, parce que du coup on fait juste en sorte que les caténaires ne soient pas reliées, on va dire. Mais en 25 000, quand le train y passe, vu que c'est une tension alternative, donc il fait... c'est cours 5e hein, ou 4e, hein, je sais plus en quelle année on voit ça. Mais vu que c'est une tension alternative, on est pas sûr que les deux sous-stations... Chose la plus goûteuse que vous ayez jamais eu en bouche. Merci Bondour qui re-offre 10 subs. Merci beaucoup Bondour. Et donc vu que c'est alternatif, on n'est pas sûr que les deux sous-stations, elles sont en phase, elles aient la même phase de la boucle j'ai oublié le nom que ça, voilà, mais... Imaginons que tu as une première sous-station, elle fait ça, et la deuxième, elle est peut-être en décalé. Du coup, pour pas que ça casse les trains, on doit ouvrir le disjoncteur. Comme ça, quand on passe sur cette phase où il y a les deux sous-stations, le train n'a pas une double alimentation, on va dire. C'est très très basique, hein, ce que j'ai dit, hein. C'est pas juste exactement. Je suis d'accord, mais c'est difficile à expliquer quand même. Je suis pas expert, moi. Hein. Je suis pas expert. Déphasage, ouais, peut-être, ouais, donc si, je sais plus le terme exact. Ah, c'est pour éviter de tout péter, quoi, voilà, parce que sinon c'est pété. Et du coup, merci beaucoup, Bondour, qui offre encore 10 subs. Quelle générosité. Merci beaucoup. En tension continue, il n'y a pas ces problèmes-là de devoir disjoncter pour passer une... pour changer de source d'alimentation. Parce que vu que c'est du continu, il n'y a pas de déphasage, vu que la tension continue, elle est lisse, elle est plate. Donc que tu passes de 1500 volts continu ici à 1500 volts continu de cette sous-station-là, ça reste pareil. Ça reste pareil. Ah oui, il y a des cas en continu et des sectionnements, mais c'est des cas particuliers. Et là, j'ai le pulmonaire, non, c'est bon, ça passe. Un bar 5, ça passe. Le quai est long ici, c'est vrai, le quai est long. Où est la pancarte TGV, j'ai envie de dire. Je connais pas du tout les arrêts dans les gares. Alors, pancarte TGV, oh, je crois que c'est plus du signal, on va s'arrêter. Hein. Je crois que ce sera plus simple. Où est la pancarte? Je vois pas, je vois rien. La TGV 1-2, c'est au fond, c'est au bout du quai. Non, mauvaise touche. Chaque fois, j'inverse les touches pour arrêter de freiner et freiner. Voilà, on va s'arrêter par là. Allez, on prend les passagers. Alors du coup, après une limite à 100.
Sans pour nous, sans pour nous. Oh, quel magnifique MDE quand même. Hein. Ce pantographe, hein. Tout un symbole. Hein. Ça c'est le symbole de la grande vitesse. Hein. Je veux pas qu'on me sorte autre chose. Moi, quand on me parle de grande vitesse, je vois la MDE. Hein. Tellement de... comment dire, d'innovation dans un si petit truc sur un train, on va dire. C'est quand même une pièce énorme, hein, vous êtes plus petit que ça, mais... mais ouais, c'est... C'est la réponse à comment aller vite, en fait. Littéralement. Donc du coup, on peut repartir, on laisse les freins. Et on quitte la gare de Fran. Oh mon dieu, les AMDE, ils ont tellement de charisme. J'avoue, bien trouvé Flash. Dans le jeu, ça gère mal les changements de tension, en fait, ils gèrent pas nativement. Alors je sais qu'il y a des maps qui ont réussi à faire en sorte que le changement de tension il fonctionne correctement. Mais c'est pas un truc qui est géré de base dans le jeu. Donc en gros, à Valorbe, tu peux arriver avec ton Panto 25 000, c'est pas grave, ça marchera quand même. D'ailleurs, si Traino est d'accord, ce serait bien de le mettre sur la 21 000. Écoute, suggère lui, hein, après... Traino il reste assez ouvert quand même, même s'il dit non, il va pas t'envoyer chier parce que tu lui fais proposer un truc. Mais après il va te dire, il aura peut-être ses raisons de pas le mettre, comme il aura ses raisons de dire bah bonne idée. C'est cool parce que Traino est assez ouvert hein, quand même aux discussions, donc c'est pas hésiter à lui proposer des trucs hein, des fois on pense pas forcément à tout, à toutes les variantes possibles. Je sais pas ce qu'il y avait eu d'autres comme modifications sur la 21 000 qui avait l'M2, s'il y avait d'autres trucs genre infaisables. Genre la c'est quoi, c'est la 10004 par rapport au son, c'est infaisable je crois, non c'est ça? Parce qu'elle avait des moteurs différents. Alors que c'est une base de 15 000, mais voilà, par rapport au son c'est pas faisable. Ouais, si c'est juste une histoire d'un panton à changer. Allez, let's go! Il reste 22 km à faire. Ah, ce jeu là il peut aller en Suisse, ouais. Il peut pas aller en Allemagne par exemple. Mais en Suisse il pouvait y aller. En Allemagne il avait pas le P7B je suppose. Du coup on ne pourrait pas se faire des mobs transfrontalières France-Suisse. Si tu peux faire des mobs transfrontalières, mais mais quand je dis que Tess ne gère pas le changement de tension, c'est que genre c'est inexistant pour lui. Donc Tess ne gère pas la tension. Tess ne gère que 3 états, je crois, de voix, ou 4 états. Il gère l'état voie diesel, 3ème rail, 4ème rail et caténaire. Il gère ses 4 états là de voie, si j'ai pas de bêtises. J'ai un doute pour 4ème rail, mais je crois que ça gère aussi. Donc après, quand tu crées une map et que tu lui indiques que c'est de la caténaire, le TS, peu importe la tension de ta machine, tant que c'est une machine électrique qui capte avec la caténaire, il va faire rouler la machine. T'as certains trains qui sont assez avancés avec des maps bien particulières qui font que t'as un truc plus poussé, mais de base dans le jeu, n'importe quel lock électrique, si tu indiques que c'est une voie à caténaire, elle va fonctionner, si c'est une lock qui fonctionne à la caténaire. Râle en 60. J'ai freiné fort. J'ai freiné fort parce qu'en plus ça monte en 21 pour 1000, donc bon. Je sais pas où est le signal, je connais pas cette partie de la ligne, enfin je connais pas, je connais mal. En fait, j'ai beaucoup roulé dans l'autre sens en fait de la ligne.
Et à chaque fois, je partais de Valorb. Et là, c'est vrai que je suis parti de Dol. Et j'ai plus mes repères. J'ai plus mes repères. Ah ouais, c'est ça, c'est la 10003. C'est la 10003 que je veux dire, Nuxis. Je sais pas s'il ferait la 21 000 TVM traîneau, parce que les screens qu'il a mis, c'est son nez. Il a fait des 21 000 équipés des prises Keops. J'ai pas de bêtises, c'est Keops, c'est ça. Et donc, logiquement, elle avait la TVM dans la vraie vie, cette lock là. Donc après, ce qu'il la fera avec TVM, ce serait cool, hein. Ce serait cool, ce serait une map de plus pour les locks. Ça va engendrer les découchés de la ligne dans un seul sens. Ah non, moi aussi je préférerais une... Enfin, en fait c'est pas que je préférerais une version de TVM, une version de 100 TVM de la 21 000, c'est que je préférerais les deux. Après il fait ce qu'il veut, mais voilà, c'est... moi je prends tout ce qu'il fait, je prends, de toute façon c'est vraiment génial. Je me contente de ce qu'il fait, il n'y avait pas de soucis là-dessus. Et d'ailleurs, pour la ligne de Valorb, il faudrait une version sans TVM, je suppose. Après, les 21 000, c'est là que je connais très peu. Je connais pas très bien leur histoire. Hop, rappel à l'an 60. Petit V270 en pleine d'Alsace, allez. On est à Strasbourg maintenant en plus, hein. Faut juste m'appeler la suite. Hein. À celui qui est chaud. Alors non, le TGV est pas compatible avec les LGV de DTG parce que c'est pas la même TVM. Enfin, c'est pas la même TVM pour le jeu, hein. C'est. Voilà, c'est. Les LGV de DTG ont la signal et la TVM de DTG. Et ce TGV là, une TVM d'une version plus ancienne de TVM qui était gratuite, qui est faite par la commu française. Dérouillage des aiguilles, hein, là pour le coup, hein, parce que voie d'évitement mais pas besoin de croiser pour un TGV, c'est pas cool. Hein. Non mais la voie de gauche est fermée, il y a des travaux, c'est pour ça. Voilà. Encore une fois, le TGV est disponible sur RW Central gratuitement, en téléchargement gratuit ici, comme on dit dans le milieu. Merci Miku pour les liens. Allez, let's go, on reprend l'attraction. Pour les 15 derniers kilomètres qu'il nous reste à faire, dont 15 de tunnel. Non, pas quand même, on va pas abuser. Là, ça envoie du sec là. Hein. Il y a quand même une vidéo sur l'Uberon. Magnifique ligne oubliée par un créateur. Non, mais. Il a déjà fait l'Uberon en live Twitch. Une fois, ça suffit.
pas si j'arriverai à freiner juste au statique. Je pense pas. Voilà. Ralent 60 aussi au loin, on le voit déjà. Oui, avant il y avait deux voies effectivement sur la ligne et puis ça a été déféré. Est-ce que ça suffit si je freine pas? Il faudrait freiner un petit peu quand même pour, pour la beauté du geste, mais... Vu que ça grimpe bien, on a 27 pour 1000 là, ralent 60. Ça c'est tout seul. C'est ambitieux. Ouais, ouais, c'est un peu ambitieux quand même. Hein. On va freiner un petit peu plus quand même. Mais ouais, je freine trop là d'un coup, ouais. J'ai pas désinstallé la V1. Ah, peut-être que je l'ai pas désinstallé avant de réinstaller, ouais, peut-être. Peut-être, peut-être. Hop, le rappel à ralent 60, encore une fois. Ah, il y a une montgolfière, ouais. Pour être gare, il y a la montgolfière là-haut. Ouais. J'aime beaucoup ce passage avec l'eau à gauche. Je trouve tellement beau. Au revoir, Geoff, bonne soirée. Ah mais en fait, c'est volontaire de passer à 60 ici, comme ça on admire un peu mieux le paysage. Ah, speeding. Ça descend ici? Ah ouais, ça descend un petit peu, ok. My bad. Ça descend, effectivement. Oh, le micro dans le champ. Prenez le micro dans le champ, faut que je me rapproche. Voilà. Ça descend beaucoup d'ailleurs. Hein. Hop, et le dernier tunnel du coup avant d'arriver à Valorbe. On peut remonter à 140 km/h. Je sais plus à combien c'est l'arrivée en gare, c'est 40 je crois à Valorbe. Hein. Je m'en souviens plus. On verra les panneaux. Hey, merci beaucoup Dreykanta pour les 100 bits, merci beaucoup. C'est beau. Ouais, ça a de la patate. Bon, après, on était en descente. Alors, ça a de la patate sous 25 000 volts, mais en 1500 volts, c'était un enfer. Hein. C'était un véritable enfer.
Alors pourquoi on prend pas une diesel parce que déjà le diesel ça va pas vite, enfin, c'est, on a moins de performance que l'électrique, ça tire moins lourd et en plus faut faire le plein et ça pollue. Bon, à l'époque ils avaient pas trop la question de la pollution, mais ça coûte cher parce qu'il faut faire le plein. Donc c'est pour ça qu'on a, on est venu à se dire bah en fait l'électrique c'est pas si mal en termes de performance et de coût, on est plutôt bon. Et le 40, c'est bien ça. Greta pas contente surtout. Ouais, mais en 70, enfin ouais, en... je sais plus en quelle année ils ont basculé le projet du TGV 001 sur l'électrique. Mais quand ils ont fait cette bascule là, à l'époque, c'est pas une question de pollution, c'est une question que choc pétrolier et que ça coûte cher. C'est une question d'argent, comme toujours d'ailleurs. Ah, 73 du coup, effectivement. J'avais plus la date du choc pétrolier. Mais oui, 73, effectivement, c'est ça. Et nous sommes en Suisse. Oh, le dépôt à gauche, il est beau, hein. Ah, d'ailleurs, la miniature là. Elle est là, la miniature. Regardez. Un peu plus loin, un peu plus là. Voilà. Regardez comme c'est beau. Alors, je m'attarde 2 secondes sur le dépôt parce que vraiment. Il est magnifique. Il est topissime. Il est topissime. World Premiere. Eh, merci beaucoup à Wenel, merci beaucoup pour les 6 mois de sub. Ah bah j'arrive qu'elle arrive en Suisse. Merci beaucoup Wenel, trop d'argent ces cheminats là, trop d'argent. Bah du coup c'est pour ça qu'on va en Suisse, hein, parce qu'on a trop d'argent. Et... voilà en Suisse. On va planquer le pognon en Suisse. C'est faux. Du coup là je peux rouler en 25 000 ou faut baisser le panto en théorie? Bah je sais pas justement sa question Tom, est-ce qu'il faut que je baisse le panto? Bon dans le doute on va le baisser hein. Mais je sais pas du tout comment ça se passe. Je crois que c'est panto baissé. Vu que c'est une gare commutable, je sais pas comment ça marche exactement. On doit baisser le panto, d'accord, ok. Ok, ok. Et on arrive à Valorbe du coup. Je dépasse un peu la pancarte, mais c'est pas grave. Hop là! Eh ben, on est arrivé! Après 1h10 de trajet, mine de rien. Le trajet complet. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Du coup, YouTube, c'est la fin de la VOD. Merci de l'avoir regardé. Puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir, YouTube!